slow. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtus, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une activité assez what the fuck. Donc cette activité est what the fuck dans le sens que vous voulez. Donc elle sera disponible sur Xbox 360 et PS3. J'ai beaucoup galéré pour vous trouver une activité de ce genre sur PS3. Mais c'est pas grave, je voulais vraiment vous la présenter pour PS3. Je voulais pas vous la présenter que pour Xbox. J'en avais parlé hier sur Twitter et sur Facebook. Donc je vous invite à me rejoindre, donc tous les liens seront dans la description. Alors cette activité vous permettra tout simplement de conduire un véhicule modé. Donc le véhicule modé est tout simplement le Van Clown que vous ne trouverez pas sur GTA 5 Online. Donc c'est des modeurs qui ont créé cette activité. Donc cette activité vous permettra tout simplement de le conduire. Donc vous lancez l'activité, vous trouverez les liens des activités dans la description. Donc vous les téléchargez selon votre plateforme. Et après, une fois dans l'activité, vous mettez bien course GTA, nombre de tours, ce que vous voulez. Et là, ce qui est impératif, c'est de laisser la classe camionnette. Vous ne devez surtout pas changer, sinon vous ne conduirez pas la camionnette et ça va se réinitialiser. Donc vous laissez comme c'est et après vous lancez la partie. Donc je suis en compagnie de beaucoup de mes abonnés, je leur fais énormément de dédicaces. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous m'avez rejoint pour faire cette activité. Surtout qu'elle va vraiment vous plaire, je pense. Donc vous trouverez tous les liens dans la description. Et après bah, vous lancez l'activité. Donc vous pouvez choisir une couleur, mais ça n'a pas vraiment d'importance. C'est un peu du nacré entre guillemets. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Donc là il y a de la différence. Et après vous sélectionnez votre couleur. Vous faites ce que vous voulez. Vous sélectionnez votre couleur. Donc mon personnage a une tête d'assassin, de meurtrier. Coucou, j'ai envie de vous tuer, coucou. Donc après vous lancez l'activité et vous faites exactement, bah vous faites tout simplement ce que vous voulez. Donc ça peut être très utile. Ok, donc lui c'est un arbre. Tu es un arbre, tu es un arbre mon jeune padawan. Toi tu es un semi-arbre. Oh toi t'es des feuilles, t'es des feuilles. Bref, après vous lancez l'activité, je vous conseille de la mettre en GTA. Et après bah c'est vraiment très très fun je pense. Il y en a qui veulent s'éclater à conduire cela. Vous pouvez klaxonner dans tous les sens. Quand vous allez conduire, le van va produire un petit son de clown assez sympatoche et assez drôle. Je vous conseille d'écouter, de mettre votre casque à fond pendant que vous conduisez. Et après voilà, ça peut être utile pour faire je sais pas, des bandes annonces ou délirer, faire des petits délires avec des amis. Je vous conseille fortement cette activité qui j'espère vous plaira. Il y a d'autres activités de ce genre que j'ai trouvé qui arriveront dans la semaine. Faut juste que je les trouve sur PS3 et je préfère vous proposer des activités sur PS3 et Xbox 360 plutôt que de vous présenter que des activités sur Xbox 360. Parce que après il y en a beaucoup qui vont se plaindre, ouais tu favorises ta plateforme etc, alors que j'ai pas envie du tout. Donc voilà, donc en tout cas j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, elle est pas très longue. De toute manière, tous les liens seront dans la description. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes. Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter afin que vos amis puissent profiter à leur tour de ce van clown qui est vraiment très très drôle à conduire. Et nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.